Toto Wolff, Hamilton ne supplie pas à Mercedes de signer son nouveau contrat. Mais si, il est à genoux, Lewis, face à Toto Wolff. Interrogé par le journal allemand Automotor Sport pour savoir si le pilote de 38 ans suppliait pour un nouveau contrat, Wolff a répondu: « Je ne le vois pas du tout de cette façon. J'ai dit très tôt que Lewis aura toujours une place avec nous. Une décision est toujours à discuter entre nous et Lewis. Et serait le premier à dire s'il n'aimait plus ça ou je pense avoir des déficits. À cet égard, nous voulons continuer, nous allons certainement négocier comme les années précédentes. Je ne vois pas d'indication que nous devons changer quoi que ce soit. » Avec Verstappen qui l'a devancé lors des 2 dernières années, Wolff pense que ça rendra Hamilton plus déterminé que jamais à revenir le premier homme à remporter 8 couronnes mondiales en Formule 1. Il est trop fort, trop résilient et trop déterminé pour dire: Eh bien, la voiture n'est pas assez bonne, c'est pourquoi je m'en vais. En 2022, Lewis Hamilton a terminé la saison à la 6e place du classement des pilotes, son pire classement depuis qu'il a débuté en F1 en 2007. Bon, après le reste, oui, on sait, ok. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre hein, qu'il signe son contrat là. J'espère que ça va être fait dans les jours qui viennent, avant le début de saison, ça serait bien. Au moment de la présentation de la Mercedes, allez, pourquoi pas. Ciao, ciao.